العلماء المسلمين لي تو انفيتي جو رميرسي كوميتي دورغانيزاسيون كي ايتي تري اكتيف اي بيان سور تو لي بريزون دون سيت سال pour également les communicants pour la qualité de communication. Qu'est-ce que je peux dire en débutant par cette conférence? J'ai suivi avec acuité ce matin toutes les interventions. Je pense que même si on connaît la moitié, il reste encore la moitié à comprendre de ce maudit virus qui a eu un impact sur tout le corps humain. En ce qui me concerne, je vais vous en parler un peu de l'impact psychologique et psychiatrique. Je dirais aussi ce qui a été science-fiction, ce qui a été dans les films de Spielberg. On était dans une réalité virtuelle, on le voyait à travers les écrans, mais là, pendant 2 années, on l'a vécu intensément et on s'est frotté à ce virus. Dans ma communication, voilà. Donc dans ma communication, vous savez, la santé mentale, avant le Covid, je vais vous en parler parce que c'est quelque chose qui m'a un peu marqué. C'était, les gens n'en parlaient pas beaucoup. Les gens étaient beaucoup plus sidérés sur l'impact physique du Covid. Moi-même, je me rappelle, j'étais l'invité de la rédaction avec Souhil El Hashmi, un certain 9 juillet 2020. J'ai attiré l'attention, j'ai dit, moi je ne comprends pas pourquoi dans le comité scientifique de suivi de la pandémie, il n'y a pas de psychiatre. Et le temps a fini par me donner raison, pas à moi, mais à tout le monde, quand on voit un peu l'impact provoqué par la pandémie sur le plan psychiatrique. Justement, c'est cette présentation qui va traiter l'impact du Covid sur la santé mentale. Et également, il y a quelque chose, on n'en parle pas beaucoup, je n'ai pas entendu ce matin, c'est un peu les mesures prises pour un peu arrêter le processus d'évolution de la pandémie qui était le confinement. Le confinement qui reste salvateur. C'était la seule mesure, mais sur le plan psychiatrique et psychologique, elle a fait beaucoup de dégâts. Je vais essayer de vous en parler au fur et à mesure des conséquences, bien sûr, du confinement. Un petit historique, tout le monde en connaît, donc c'était le 17 novembre, dans la cité de Wuhan, apparition du virus. L'OMS a déclaré la notion d'épidémie, de pandémie par la suite, et les premières études, les conséquences de la pandémie ont été rapportées juste après. Alors, bien évidemment, il y avait une pandémie. On n'en a pas vu ça depuis très longtemps. Donc, il fallait, bien évidemment, prendre des mesures urgentes et rapides. Donc, c'est des mesures d'hygiène qui consistent à freiner la contamination, la distanciation sociale, la fermeture des lieux collectifs, fermeture des frontières, un couvre-feu, confinement généralisé, c'est ce que notre pays, bien sûr, a pris des décisions très rassurantes. Je pense que c'était à la fin du mois de mars, tout était fermé. C'était des solutions salvatrices qui, à l'époque, il fallait bien évidemment les prendre. Alors, les conséquences de la gestion de l'épidémie. Alors, vous savez, quand vous faites un couvre-feu, on s'en souvient tous, à 15h, il fallait rentrer à la maison. Et il fallait faire vite, il fallait faire ses courses. Il y avait une tension, il y avait un stress intense. Et puis, c'est une atteinte à la liberté de circulation. Absence d'échanges interhumains, hein, surtout nous, les Algériens, les Méditerranéens, on est plus tactiles, on est plus dans le contact. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Heureusement qu'il y avait le téléphone. Mais bon, la chaleur humaine, les émotions, c'est autre chose. Absence d'activité physique, donc les salles de sport étaient fermées, tout était fermé. Et ben, nous, la population, nous avons perdu nos repères. Nous avons réellement perdu nos repères.
réduction drastique des possibilités d'enrichissement dans tous les domaines. Nous, les médecins, enfin, dans tous les domaines, on était habitués à partager des séances scientifiques, des congrès, et puis d'un coup, et là aujourd'hui, on voit cette frustration après 2 ans à assister à des congrès. Donc, je vais y aller de fil en aiguille, comme ça, vous allez vraiment comprendre l'impact psychiatrique de cette pandémie. Donc, vous voyez, la flèche, ça a entraîné un confinement. S'il y avait confinement, donc changement majeur dans notre mode de vie. Je vais juste vous citer un exemple. Les dégâts causés par le confinement au sein des couples, il y a eu beaucoup de divorces. Les dégâts causés sur les enfants. Vous voyez, donc, la famille qui ne s'est jamais réunie, et on connaît un peu la difficulté des liens sociaux et familiaux, et durant cette période, il y a eu un confinement à la maison, donc c'est tout le monde qui se retrouvait, il y a eu beaucoup de dégâts, je vais en parler au fur et à mesure. Donc, il y a eu un état de stress, un état choquant, un stress majeur, qu'on a été tous touchés, bien évidemment, quand il y a un stress aussi important que ça, dû aux premières mesures, on n'est pas encore dans l'impact réel. Ça a donné un impact très important sur notre santé mentale. Alors, les conséquences, phénomène de peur pandémique. Ben oui, on avait peur, donc c'est une pandémie, on ne sait pas comment ça va évoluer, et on tenait un peu notre ventre par rapport à l'évolution. La peur de tomber malade, oui. Il y avait cette peur, mais il y avait autre peur. On a tous vécu, c'est de perdre des personnes très chères, en l'occurrence ses parents, ses frères, sœurs, amis. Et surtout qu'il y avait beaucoup d'informations qui disaient que quand vous avez des comorbidités, quand vous avez un état de prédisposition, on était là, figé. Et je pense que dans cette salle, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas perdu un proche. Restriction des contacts, j'en ai parlé. Crainte d'une disponibilité insuffisante, on l'a vécu, la troisième vague. Troisième vague qui a été catastrophique pour nous, c'était l'histoire de l'oxygène, la peur de l'insuffisamment de masques, la ruée vers les pharmacies. Il y avait un mode de fonctionnement qui a changé. Donc c'est un mode de fonctionnement dans la société qui a changé, bien évidemment, il va impacter notre psyché. La peur et le confinement ont ainsi combiné leurs effets. Donc il y avait une combinaison, une équation entre la peur et le confinement. Restriction des interactions, avec des conséquences économiques et sociales. Beaucoup de gens ont perdu du travail. Donc durant cette période de confinement, beaucoup de salariés n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants. Un autre stress. Vous savez, l'être humain, il est... Alors, on aura 5 doses de stress par jour. Et là, on est confronté à une 50aine de doses par jour de stress quotidien. En plus d'une pandémie qui nous impacte comme ça, qui vient d'un seul coup. C'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. L'enfermement à domicile pour une durée indéterminée. On était tous impatients. Quand est-ce qu'ils vont ouvrir? Quand est-ce qu'ils vont ouvrir? Cette attente est encore stressante. Les injonctions contradictoires formulées successivement ou simultanément par les pouvoirs publics. Les messages qui nous viennent par les décideurs, parfois, ils sont incohérents, parce que, à vrai dire, tout le monde ne savait pas quoi faire. Donc, il y avait des informations qui n'étaient pas fausses, à vrai dire, mais qui ne répondaient pas à la situation, au contexte dans lequel on vivait. Donc, ça nous stressait. Ça nous stressait énormément. J'en parle, à titre d'exemple, la fermeture des vols, de l'aéroport, et ça, on ne sait pas, ils doivent ouvrir, ils ne doivent pas ouvrir. Nous allons enterrer nos proches pour que leurs enfants assistent. Et tout ça a créé une tension supplémentaire. Donc l'incertitude prolongée quant à l'issue de la crise, on est encore, on ne sait pas. La pandémie, elle est encore là, tant qu'elle n'est pas déclarée. Par l'OMS, fin de pandémie, on ne peut pas se prononcer. Monsieur McKee l'avait bien dit ce matin. La pandémie n'est pas derrière nous, elle est encore avec nous. Donc il y a encore un stress. À cause d'une catastrophe. Voilà, tout ça a induit une catastrophe sanitaire au domaine psychologique et psychiatrique. J'irai encore plus loin. Même si cette pandémie va partir, même si le coronavirus, on va le côtoyer, on va vivre avec elle, mais
La prochaine pandémie, elle sera psychiatrique. Elle va toucher tout le monde, tous les enfants, tous les adolescents. Et ça, ça sera difficile de cohabiter. Parce que ça a fait des dégâts. Et on ne s'est pas préparé. Parce qu'on peut se préparer pour d'autres maladies. Mais pour la psychiatrie, ça sera encore un peu plus compliqué. Je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, la première conclusion que j'ai retenue, le bien-être mental dans ses dimensions émotionnelles, physique, psychique et cognitive est atteint, illustré par ça. Parce que la définition de l'OMS, c'est quoi la santé mentale? La première phrase que vous allez trouver, c'est le bien-être. C'est d'être bien dans toutes ses dimensions. Mais malheureusement, ce maudit virus nous a impactés. Il a tout perturbé. Alors, il y a eu deux types d'impacts sur la santé mentale. Il y a eu un impact qui est direct, il y a eu un impact qui était indirect. Le direct, ça a été dit ce matin, je ne vais pas trop m'étaler, c'était un impact cérébral au niveau du tronc cérébral. Pénétration dans le système nerveux central par les différentes voies que mes confrères ont bien détaillées. L'impact indirect par le biais de l'hypoxie consécutive à une insuffisance respiratoire, ça a été très bien détaillé ce matin par le système mécanisme inflammatoire dû à la production de cytokines. Il y a eu des atteintes neurologiques, fait de la neuropsychiatrie, donc on reçoit beaucoup de malades qui ont des atteintes neurologiques et psychiatriques, je me permets de les citer, c'était des lésions cérébrales diverses, des encéphalopathies, des états confusionnels, des troubles de la conscience avec obnubilation, des orientations temporo-spatiales, délires, hallucinations. Ça répond exactement à la figure au cas clinique qui a été présentée ce matin par professeur Tebaïdia. C'était vraiment un délire de l'anosmie, de l'agusie représentée, bien dite par le professeur Honori, des encéphalomyélites, des AVC et surtout des troubles onisiques. C'est rapporté, on le constate, ça ces derniers temps, est-ce que c'est le Covid, c'est pas le Covid. Donc vous voyez, tout ce qu'on connaît, il reste encore des pistes, des hypothèses, il reste encore de la recherche. Je pense que le domaine de la recherche par rapport au Covid, on va commencer maintenant. Des atteintes psychologiques, de l'irritabilité, de l'insomnie, les gens ne dorment plus, il y a des gens qui ont perdu le sommeil, et ça induit un autre phénomène. Ce matin, on n'a pas trop entendu, c'est l'automédication. Les gens commençaient, surtout durant la période du confinement, les gens ne dormaient pas, ils prennent n'importe quoi, de l'exomie, parce que la voisine, elle a bien dormi avec un comprimé de l'isonxia, qu'elle se permet de lui donner un comprimé, et on sans connaître les dégâts causés par ces médicaments. Les gens se sont adonnés à des psychotropes, les gens se sont donnés au cannabis pour retrouver un sommeil qui était quasi inexistant. Une peur de la dépression caractérisée avec toutes ses composantes sur le mode, sur toutes les fonctions, qu'elles soient instinctuelles, perte d'appétit, confusion, colère, frustration, vécu d'ennui, état d'anxiété généralisé. Croyez-moi que ces tableaux ont bien existé dans la population algérienne, et en monde d'ailleurs. Alors, il ne faut pas oublier, et on ne pourra jamais les oublier, c'est la blouse blanche, dans tous ces domaines, du portier de la porte de l'hôpital jusqu'au professeur chef de service, jusqu'au directeur, tous ceux qui ont travaillé, mais surtout, les gens qui étaient au front, ce sont les médecins qui étaient au front du Covid, c'était surtout les services de réanimation, les services d'urgence, les services qui ont vraiment côtoyé les gens au Covid. Et on l'a vu, j'en ai parlé ce matin, c'était des personnes, des médecins avec un stress intense, un état d'épuisement, des burn-out, détachement par rapport à la réalité, anxiété, irritabilité, manque de concentration, indécision, surtout des traumas. Moi, j'ai pris en charge des médecins qui avaient des reviviscences, qui avaient des cauchemars. Je me rappellerai toujours de ce médecin, une femme appelée Msius, qui m'a été ramenée en urgence, où il y avait l'image de c'était la période de juillet, c'était, elle ouvrait la porte, et les cadavres étaient entassés dans le couloir. Et elle a ouvert la porte comme ça, c'était 3 ou 4 cadavres qui sont tombés sur elle, et c'était ces cadavres, ils étaient sur elle. Donc vous imaginez avoir des cadavres sur soi, c'était
abominable, c'était pas bon du tout. Donc elle a développé un trauma, et ça va être un psychotrauma qui, par la suite, bon, il y a eu quand même une prise en charge, elle va beaucoup mieux, avec des arrêts de travail, parce que c'était impossible, on avait évoqué ce matin. Je suis expert auprès de la CNAS, il y a beaucoup d'arrêts de travail, ça a été même évoqué, les gens, les médecins ne pouvaient plus reprendre. Ce qu'il faut savoir dans cette pandémie, c'est qu'il y a eu deux types d'impact. Il y avait des gens qui avaient des vulnérabilités, il y avait des gens qui étaient prédisposés psychologiquement. Donc ces gens-là ont été impactés encore doublement. Il y avait aussi de la culpabilité, vous savez, quand vous perdez un confrère, vous avez le sentiment qu'on connaît dans le trauma. Pourquoi, c'est lui qui est mort, j'aurais aimé que je sois mort à sa place. Le contraire, c'était des propos de culpabilité, c'est ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. Et ça, ça a été fortement décrit chez nos confrères. Il y avait une perte de motivation, il y avait un déséquilibre émotionnel très important. Alors, on ne peut pas oublier cette tranche d'âge des enfants, des adolescents, qui moi-même, je travaille dans un service d'adolescents, très, très impacté. Vous savez, il s'est passé quelque chose de formidable durant le confinement. Les petits-enfants de l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, qui ne voyaient pas leur papa, leur maman. Ils n'ont pas l'habitude de les voir à la maison. Donc, ils étaient très contents, papa, maman, tata. Mais par la suite, le confinement, il a duré, le stress, il a duré, la situation n'était pas claire. Et ils ont développé des états anxieux très importants. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de crèche. Et surtout, nous avons eu des problèmes dans les services pour les enfants adolescents, pour par exemple les enfants autistes qui étaient hospitalisés, qui avaient des soins. Il y avait une rupture de soins, donc il y avait des rechutes. Donc, la souffrance multifactorielle, elle était multiple dans sa dimension familiale, dans sa dimension sociale. Vulnérabilité plus ancienne, vous savez, où il y avait des enfants. Il y avait beaucoup de maltraitance, on n'en parle pas beaucoup. Beaucoup d'enfants ont subi des incestes durant cette période. Il y avait beaucoup de maltraitance. Et quelques écrits l'ont bien démontré. Il y avait un sentiment d'insécurité aussi, hein, par rapport à comment on va s'en sortir, comment on va faire. La scolarité, ben oui, elle a été compromise. Nous avons eu des difficultés pour les enfants reprendre l'école. L'école, il n'y avait pas d'école à un moment donné, il fallait... Donc la reprise au mois de septembre, il y a eu beaucoup d'échecs scolaires, il y a eu beaucoup d'abandon. L'homéostasie dynamique familiale, très perturbée. La dynamique familiale a été perturbée, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait beaucoup de séparations, il y avait beaucoup de divorces, il y avait beaucoup de maltraitance. Ça a causé des dégâts au sein des familles. Il y avait surtout des modifications des comportements au sein de la société, il y avait beaucoup d'addictions. Et quand on parle d'addiction, ce n'est pas uniquement les addictions aux produits. Les addictions à beaucoup de phénomènes, entre autres l'Internet, qui est une addiction sans produit, sensation subjective d'avoir été dépossédé de deux âmes. Quand je parlais aux adolescents, ils me disaient « T'as fait banal, on y a amené. Moi, j'ai perdu deux années, trois ans. Je ne sais pas, peut-être je vais encore perdre. » C'est-à-dire qu'il y a une sensation de perte d'un temps. Il y avait l'impression de ne pas voir la fin de cette période et une difficulté de se projeter. On ne se projette pas parce que c'est opaque, c'est encore flou. L'adolescence, malgré tout ça, c'est une période qui a été très importante. Je ne vous apprends rien que durant l'adolescence, c'est une période qui est très sensible. Il y a des mutations psychologiques, des mutations physiques, des mutations affectives. Et quand il y a un stress intense, ça métamorphose. L'individu, c'est une période très importante où il y a la constitution de la personnalité. Et durant cette période, la pré-personnalité a été fortement atteinte. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion d'eux ? C'est qu'il faut doubler les moyens de la pédopsychiatrie. C'est une nouvelle spécialité. Si aujourd'hui on veut avoir des adultes relativement équilibrés, il faut prendre en charge les enfants. Il faut prendre les futures mamans, les futurs papas. Et tout ça, bien évidemment, il faut une volonté affichée, il faut un plan de santé. Ce n'est pas l'objet de notre débat, mais c'est juste pour mettre le curseur peut-être là où ça fait un peu mal. Vous avez cette illustration donc, qui répond exactement un peu à ce que je viens de dire. Vous voyez le fardeau porté par, sur ce virus. Donc le stress qui est augmenté, la peur, l'anxiété, le mal-être qui est affiché.
Voilà. Alors, la répercussion de la pandémie, on l'a vu aujourd'hui, les besoins en santé psychiatrique et psychologique ont augmenté. Aujourd'hui, la très, très, très forte, c'est pour ça que j'ai dit la prochaine pandémie, ça sera psychologique et psychiatrique, il y a une très forte demande de consultation. Spécialisée en consultation adulte, en hospitalisation adulte, même chez les seniors, nos aînés, il y a une très forte demande qui n'y était pas avant le Covid. Modification des comportements, usage de substances, que j'ai dit tout à l'heure, abus de tabac, abus d'alcool, abus de cannabis, bouleversement des rituels de la vie, hein, on ne fonctionne plus comme avant. Il y a des choses qui ont changé dans notre vie, dans notre esprit. Besoin d'augmenter certains usages pour avoir le plaisir, augmentation de toutes les consommations dues à la réduction du bien-être mental, et surtout, si on n'en parle pas beaucoup, l'usage des écrans. Les enfants, quand ils étaient confinés, même nous, donc voilà, ce matin, ça a été rapporté par le professeur Mallet quand il avait parlé des diabètes, l'obésité, beaucoup de personnes ont pris du poids durant cette période. Un poids induit par le stress, un poids de sédentarité, et aussi du confinement, je l'ai dit tout à l'heure, on ne faisait pas de sport. Donc, tout le monde a pris, les gens sont devenus ronds. Le télétravail induit par la situation, oui, il y avait le télétravail, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé par le télétravail. D'un côté, le côté positif, parce qu'on découvre le côté positif du Covid, mais entre autres, c'est une surexposition aux écrans. Consommation d'aliments caloriques, moi j'ai eu des enfants qui ont pris 10 kilos. Ben oui, durant le confinement, même après au stress, ils mangeaient. Puis, vous savez, il y a un problème chez nous, c'est qu'il y a l'éclatement de la cellule familiale. Nous avons beau essayer de dire, contrôlez vos enfants, ne donnez pas ça, surveillez vos enfants. Malheureusement, c'est pas très... Ça y est, j'arrive à la conclusion. Voilà, je suis déjà dans la conclusion. Qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion? C'est qu'il y a un avant-Covid et un après-Covid. Et puis, je finis avec cette citation de Carl Gustav Jung. Les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie et surtout changer de regard par rapport à cette vie. Je vous remercie.